bien le bonjour. Je ne me suis même pas rendu compte que ça fait si longtemps que je ne suis pas venue sur la chaîne te faire un coucou. En fait, aujourd'hui, je viens pour plus qu'un coucou, hein, quand même. Hein. Est-ce que t'as vu ma robe? T'as vu ma robe? Ce sont des coquelicots. T'as vu ça? Je suis très heureuse de mettre cette robe. Je suis très heureuse d'avoir trouvé ce tissu. Il fallait quand même bien que j'aie une robe pour rendre hommage à mon camping-car, à mon coquelicot. Hein. Donc, coquelicot, en parlant de coquelicot, ben, il va bien, mais il a toujours pas son trauma. Le garagiste a commandé, il a trouvé en tout cas d'où venait la panne. Et il a commandé, c'est une puce. Alors, je vais pas t'expliquer la technique parce que je vais dire des bêtises. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'écoutent et qui s'y connaissent largement mieux que moi. Donc si je dis des bêtises, tu vas me reprendre et tout. Donc je préfère me taire. Quand je serai avec le garagiste, je pense que je lui demanderai exactement ce qui s'est passé. Comme ça, peut-être que ça pourra t'aider au cas où toi aussi, t'es le même type de soucis techniques. En tout cas, il a dû commander la pièce en Allemagne. Actuellement, eh bien, bien sûr, ça met du temps pour venir d'Allemagne, puisque l'Allemagne est confinée là actuellement. Donc il y a des problèmes pour les livraisons, etc. Donc j'attends, le garagiste attend cette pièce pour remonter, contrôler que le trauma fonctionne, pour ensuite me donner rendez-vous et reposer le trauma dans Coquelicot, vérifier que tout fonctionne, et là enfin je pourrai avoir mon camping-car en bon état de fonctionnement pour l'eau chaude et le chauffage. Ça, c'est sûr que c'est une chose qui perdure, qui reste, c'est que oui, je suis encore à la maison, je suis encore sédentaire, mais ça ne change pas mon envie de rouler, mon envie de voyager. Ça ne change pas. Pourquoi je parle de changement? Bah, je sais bien que tu as vu la vidéo de Krissa, il y a beaucoup de changements. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que Krissa et moi on soit séparés. Bon, mais je te comprends. Je te comprends. Parce que tu as eu l'habitude depuis 3 ans que Krissa et moi on soit tout le temps ensemble. On a fait la chaîne ensemble. Au tout début, en fait, le changement était que Krissa est arrivée sur la chaîne. Parce qu'au tout début, ceux qui nous suivent depuis bah, un peu plus de 3 ans, bah, ils savent que la chaîne, au tout début, bah, j'étais toute seule. Après, il y a eu Krissa. Donc, c'était le changement. Et maintenant, bah, le changement, c'est que Krissa a d'autres envies de route. Et moi, j'ai des envies autres de route. Il faut quand même reconnaître que rester 3 ans à rouler ensemble, bah c'est long finalement, c'est vachement long. Quand j'y repense, c'est quand même des milliers de kilomètres qu'on a fait ensemble. Et la vie, bah c'est quoi? Bah c'est le changement. Donc bah là, le changement, bah c'est que Krissa, bon, j'ai l'impression que les vidéos, elles saturent un peu. Moi, les vidéos, je sature pas. Je reconnais que de temps en temps, j'ai plus ou moins envie de faire des vidéos, mais parce que c'est vrai que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, ça demande du travail, ça demande un état d'esprit, parce que quand on fait des choses, bah, il faut penser à avoir quelque chose pour filmer, le téléphone, le caméscope. Bon, c'est toute une implication, pas de professionnel, bien évidemment, mais c'est vraiment une activité à temps plein. Et cette activité à temps plein, moi je l'aime, je la prends, je la garde là, maintenant. Tu vois, je suis encore sédentaire, mais là je vais reprendre les vidéos parce qu'il y a certains sujets que j'ai envie de partager avec toi. Chrissa, elle, ben, elle va vivre autre chose autrement. Alors c'est pas la peine de nous inventer des problèmes, il n'y a pas du tout de problème. Il faut quand même dire qu'avant, il y a, je sais pas, il y a 4 ans, il y a 5 ans, Krissa vivait dans son appartement, avait son travail, avec son petit chien, Domino, toujours. Moi, je vivais dans ma maison avec mon compagnon, mes 3 chats, nos 3 chats. Et tout allait bien. Et voilà, et le gros changement, ça a été qu'on roule ensemble. Voilà, quoi, la vie, c'est ça, quoi. Ça tourne, ça vire, c'est bien. En tout cas,
Dans nos changements, il n'y a que ça. Parce que Chrissa, comme moi, il y a quelque chose qu'on maintient, c'est notre vie nomade à temps plein. Ça, c'est clair, hein. Même si aujourd'hui, bon, pour des raisons que tu connais, j'ai pas envie de revenir dessus, hein. Je suis sédentaire. Parce que là, quand tu regardes, bon, c'est vrai que j'ai rencontré des amis camping-caristes et qui sont abonnés. Et donc, bien sûr, on parle camping-car, on parle des autres chaînes. Et ça fait un moment que je regarde plus les chaînes YouTube autres. Et ils m'ont dit finalement que c'est vrai qu'il y a plein de van-lifers qui sont tombés dans le bain des tiny houses, ou qui ont acheté un terrain, ou qui se sédentarisent, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a la grosse marée du Covid qui nous a bien ébranlés, qui nous ébranle bien tous, hein. Voilà, ça fait partie des changements, leur choix. Enfin, tout ça pour dire que le changement, ça fait partie de la vie. Donc ne pleure pas si Chrissa et moi, pendant je ne sais pas combien de temps, on ne roule pas ensemble. Chrissa et moi, au-delà de la chaîne YouTube, on reste toujours en contact. Ça, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Ma grande sœur, elle va vivre ses aventures de ce côté. Moi, je vais vivre mes aventures de mon côté, autrement. Au contraire, ça vous fera peut-être plus de vidéos. Chrissa, de toute façon, elle va te tenir au courant, ça, c'est sûr, certain. Oh, sinon, oh, sinon, oh, sinon. J'ai brièvement parlé de Covid, bah oui. Donc, là, maintenant, bah, malheureusement, on a pris une nouvelle habitude de vie. Est-ce qu'elle est temporaire? Est-ce qu'elle est permanente? Je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout envie de parler de ça. Par contre, aujourd'hui, en 21, parce que 20 on a été le choc, hein. On a été quand même confinés en mars. Donc ça a été le gros choc, tous. Ensuite, on a été reconfinés en novembre. Bon, moi, en novembre, j'étais déjà en France. Je l'ai pas. Enfin, oui, je l'ai vécu, mais je l'ai vécu d'une façon très particulière, puisque pour ceux qui sont pas bien doués en géographie, donc actuellement je suis du côté plein est de la France, au-dessus de Valence, Lyon, si tu connais plus Lyon, et j'ai dû carrément traverser complètement à l'ouest la France pour aller du côté de Bordeaux, juste à côté de Bordeaux, à Libourne exactement, pour ceux qui connaissent. Où vivait ma maman, donc qui est décédée fin octobre, le 27 octobre. Donc à cette période, il y avait le confinement. J'avais une dérogation, bien sûr, pour le décès d'une mère, c'est certain que je pouvais rouler. J'ai quand même fait 1 600 km sans avoir aucun problème. Par contre, j'ai pu constater comment ça s'organisait en tant que nomade. Comment ça se passait? Là maintenant, donc j'ai laissé couler le temps parce que bon, j'avais besoin de refaire surface, normal. Là maintenant, je commence à réouvrir la porte de la vie. Et bien évidemment, je me pose des interrogations, comme beaucoup, je suis sûre, parmi vous, hein, les van-lifers, les nomades. Surtout les nomades temps plein, hein, bien sûr, parce que les autres, vous qui êtes vacanciers, ou les hirondelles, comme on dit, ceux qui descendent plein sud et qui remontent chez eux ensuite pour l'été, c'est pas la même chose parce que vous, souvent, vous avez un appartement, vous avez un logement où vous posez. Mais les nomades comme Chrissa, comme moi, ou comme plein d'autres que nous connaissons, eh ben, ils n'ont rien. Ils n'ont que leur maison à roulettes. Et c'est vrai qu'en mars, on s'est retrouvés complètement perdus. Et du coup, là, je m'interroge de qu'est-ce que je vais faire si jamais de nouveau il y a un confinement. Alors, ce n'est pas de l'angoisse, ce n'est pas de la peur, c'est que je regarde les choses en face. Nous ne sommes pas du tout à l'abri d'un confinement. Bien évidemment, attention, je ne parle que pour la France, hein, parce que là, c'est le sujet de la France, parce que j'ai carrément mené une enquête. Comment nous, les nomades temps plein,
sans résidence, sans rien du tout, nous allons pouvoir nous poser sereinement à un endroit pendant un confinement éventuel. Voilà, c'est une démarche préventive. Moi, je suis beaucoup dans la prévention. Comme ça, quand il t'arrive le truc sur la tête, t'es pas surpris. Tu sais comment le vivre, comment le gérer sereinement. Terminé. C'est pas grave, c'est pas heureux, c'est comme ça. Voilà. Alors, si tu entends du bruit, c'est normal. J'ai la fenêtre grande ouverte parce qu'il fait soleil, il fait bon aujourd'hui. Donc, je m'offre le plaisir de la fenêtre ouverte. Je ne te fais pas voir parce que sinon, tu vas t'en prendre. Je vais être à contre-jour, ça va pas être sympa. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai carrément mené mon enquête. Mais je peux dire que j'ai mené mon enquête parce que je te garantis que le téléphone, il a bossé. Donc, tout d'abord, ben, j'ai commencé. Alors, ben, oui, parce que quand. Je ne sais pas comment tu as vécu le mois de mars. Le confinement de mars, mais il y avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de camping-caristes qui avaient vécu un truc, d'autres camping-caristes qui avaient vécu un autre truc ailleurs, autrement. Est-ce qu'ils avaient réussi à passer la frontière? Est-ce qu'ils n'avaient pas passé? Enfin bon, c'était le gros boxon. Comme je te l'ai dit, en novembre, j'ai complètement décroché. Hein. J'ai complètement décroché. Je ne peux pas te parler du mois de novembre parce que j'étais out. Hein, voilà, j'ai eu l'impression de dormir pendant tout le mois de novembre. Donc là maintenant, je prépare, je préviens. Donc j'ai téléphoné au numéro bah, que tout le monde a à portée de main concernant le Covid. C'est le numéro qu'ils nous mettent partout, là, 800, je sais pas quoi. Et j'ai posé des questions, grosso modo, comment eux nous voyaient, pour nous les nomades. Donc, bah, effectivement, ça sera beaucoup moins strict. La certitude, en tout cas, puisqu'ils ne peuvent pas présager des dispositions du gouvernement. Par contre, ils savent une chose, c'est que pour nous, les nomades, à temps plein, le règlement sera moins strict que pendant le confinement de mars. C'est à peu près tout ce qu'ils peuvent dire pour l'instant, plus d'autres choses que j'ai vérifiées, que j'ai quand même vécu au mois de novembre, si j'ai quand même vécu un truc. Donc, ça sera moins strict, c'est-à-dire on sera moins perdu, ils vont pas tout fermer, tout interdire, tout serrer partout. Non. Donc, qu'est-ce qui nous reste pour vivre? Alors, j'ai fait carrément une liste. Alors, par exemple, sur les parkings publics, tu sais, sur Park Fortnite, il y a beaucoup de parkings publics. Oui, pour public, c'est-à-dire les parkings commerciaux, les parkings communaux. Tu sais, par exemple, si tu vas te garer à côté d'un parc, si tu vas te garer, je ne sais pas, dans une forêt qui donne sur un sentier, etc. Donc, c'est un parking sans service, mais c'est un parking communal. Après, si ça dépend d'un magasin, c'est complètement différent. Là, il vaut mieux ne pas y rester en confinement. D'accord? Par contre, si c'est un parking de la commune, je répète bien de la commune, tu peux faire appel à la mairie, leur dire ta situation, leur dire voilà, est-ce que pendant tout le temps du confinement, je peux rester garé sur ce parking? Je ne me déplacerai par exemple que pour faire les courses au supermarché ou ce qui restera ouvert. Si la commune est d'accord, ils vont te faire une attestation comme quoi, de telle date à telle date, suivant les dates de confinement, tu vivras sur ce parking-là. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu seras rattaché à ce parking de la commune. Alors, bien évidemment, je te conseille fortement de le faire dans un village et non pas dans une ville. Ça sera beaucoup plus facile de te mettre à un endroit discret, un petit peu, à un coin un peu sympa, et ne pas être sur une route passante, etc., comme beaucoup l'ont vécu au premier confinement.
Attention, parking communal, je répète, hein. Ensuite, alors bien sûr, tu vas me dire, oui, mais moi, je vais aller en pleine nature, je me décroche complètement de tout, etc. Au moins en pleine nature, j'emmerde personne, etc. Alors le raisonnement est bon. Mais c'est pas moi qui fais la loi, hein. Alors le raisonnement est bon puisque dans ces cas-là, bah, tu vas pas contaminer le voisin, tu vas contaminer personne. Seulement, à un moment donné, tu auras peut-être besoin de te réapprovisionner en eau, en nourriture, en peut-être, je sais pas, en plein de choses, peut-être gaz aussi. Donc si tu reviens, on va dire, à la civilisation pour aller dans un magasin te réapprovisionner, et que la police te tombe dessus en te disant mais où est-ce que vous habitez? Là, ça la fout mal. Comme tu n'auras pas d'adresse, tu n'auras pas une attestation d'adresse pour le confinement, ils risquent de te mettre une amende. Voilà. Donc là, à toi de voir comment tu le vis, comment tu peux t'en sortir. Peut-être en faisant simplement une attestation parce que tu vas faire tes courses, peut-être qu'ils te laisseront tranquille. Honnêtement, là, c'est un peu à tes risques et périls de te prendre une amende, quoi. Voilà, fais attention si tu pars dans ce cheminement de la pleine nature, ou alors fais le super plein de nourriture, le plus super plein d'eau, ça va être un petit peu difficile. Après, à voir combien de temps le confinement va durer, l'éventuel confinement va durer. À toi de voir, vraiment. Là, libre, mais tu n'es pas à l'abri d'une amende. J'insiste bien là-dessus. Alors après, on en arrive à des situations, hein, maintenant qu'ils acceptent, c'est-à-dire que tu sois chez l'habitant. C'est-à-dire, par exemple, tu vas dans un centre équestre et tu restes logé pendant tout le temps du confinement, ou tu vas dans une ferme, ou tu vas chez quelqu'un qui a un très grand terrain. Attention, il ne faut pas que le camping-car ou ta maison à roulettes soit trop proche de la maison. C'est comme ça. Ne discute pas, c'est comme ça. Et là, la personne, le propriétaire de la maison, pourra te faire une attestation comme quoi tu es parqué, tu vis pendant tout le temps du confinement à cet endroit. Il te faut en fait une attestation te rattachant à une adresse. C'est tout ce qu'il te faut. Après, les histoires d'argent, est-ce que tu payes cette personne ou pas, on s'en fout. C'est rattaché à une adresse pour si jamais tu es pris et que tu vas faire des courses, tu vas te réapprovisionner en gaz, en n'importe quoi. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc, que la personne qui te passe ce terrain, te fasse une attestation comme quoi tu es là, domicilié pendant tout le confinement. Voilà. Tu peux faire une attestation sur l'honneur aussi, comme quoi tu es domicilié chez cette personne. Une attestation sur l'honneur fonctionne, hein, ça fonctionne. Après, on va passer aux choses plus classiques, que là, on connaît bien tous ceux qui utilisent en Park Fortnite. Alors, il y a. Ah oui, il y a les campings. Alors, il y a les campings classiques. Alors, cette fois-ci, normalement, les campings ne vont pas être tous fermés pendant le confinement. À toi, avant de partir, de vérifier si le camping est ouvert ou pas pendant le confinement. Là, tu t'arranges avec bah, le camping directement. Et dès que tu arrives au camping, là, tu t'arranges aussi avec le propriétaire du camping, la réception, peu importe, pour avoir cette fameuse attestation comme quoi tu vas être domicilié dans ce camping pendant toute la durée du confinement. Encore une fois, c'est toujours le même principe d'avoir une adresse. Bon, sur le camping sera payant. En parlant de payant, il y a aussi camping-car park. Ah, celui-là aussi, vous le connaissez bien. Donc, Camping Car Park a deux propositions, hein, on va dire, de parc. Il y a les relais, les aires de camping-car, où tu payes au quotidien, hein, tu payes ton emplacement avec l'électricité, etc., etc. Et ils ont les campings de mon village. Normalement,
Donc, j'ai téléphoné à Camping Car Park. Ah oui, j'ai téléphoné à tout le monde. Hein. Toutes les informations que je te donne là maintenant, c'est suite à des appels téléphoniques que j'ai passés à tout le monde, à la commune, etc., etc. Donc, Camping Car Park, ils restent propriétaires de leur parc et de leur camping. Donc, d'ailleurs, en novembre, justement, c'est ce que j'ai repensé tout à l'heure quand je te parlais. Quand j'étais à Libourne, il y avait le confinement. Et Camping Car Park m'a carrément téléphoné pour me demander si je voulais une attestation de domiciliation pour toute la durée du confinement. Donc moi, à ce moment-là, ça ne m'intéressait pas. Donc je leur ai dit non. Par contre, il y avait un couple d'abonnés aussi, Cécile et Franck, qui, eux, allaient rester pendant toute la durée du confinement sur l'aire de camping-car à Libourne. Donc eux ont eu l'attestation de domiciliation pour toute la période du confinement. Attention, cette attestation avec Camping Car Park va quand même te coûter cher, à toi de voir. C'est que Camping Car Park ne te fera l'attestation que si tu payes immédiatement toute la durée que tu vas rester sur leur parc ou dans leur camping. C'est-à-dire, si le confinement dure 30 jours, tu dois payer tout de suite les 30 jours et ensuite seulement, ils t'envoient l'attestation de domiciliation. Tu n'es pas obligé d'avoir cette attestation. Tu n'es pas obligé de devoir payer la totalité de la durée du confinement. Moi, j'y suis restée quelques jours seulement. Je leur ai dit non merci pour l'attestation. Je suis partie comme d'habitude on fait. C'est-à-dire, j'ai payé mes quelques jours que je suis restée là-bas. J'ai pas dû payer toute la durée. Ils vont pas t'obliger à payer toute la durée du confinement. On est bien d'accord. J'insiste là-dessus. Par contre, prépare-toi à payer à l'avance si tu restes pendant toute la durée du confinement. Mais cette attestation, encore une fois, c'est sympa parce que quand tu vas faire des courses, etc., au moins tu n'es pas embêté, tu es en camping-car, tu es dans ta maison à roulettes, tu es tranquille, tu sors ton attestation. Oui, je vais à l'Intermarché, là, je vais faire mes courses, je rentre chez moi sur l'aire de camping-car. Voilà, tu peux te déplacer avec le camping-car, avec ta maison à roulettes, tu n'as pas de soucis. Donc, camping-car park et les campings de mon village, même principe, puisque camping-car park reste propriétaire de leur site, de leurs aires et campings. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, eh oui, j'ai téléphoné, j'ai téléphoné à d'autres aussi. Alors, les concurrents, entre guillemets, les autres prestataires de services, on va dire, c'est les Flots Bleus. Flots Bleus, tu connais, eux aussi ont deux principes de fonctionnement. Par contre, la grosse différence avec Camping Car Park, c'est que Flots Bleus, ils vendent leur matériel, leur implantation, etc., à l'endroit où ils posent tout leur bazar, leur structure, on va dire. Donc, lorsque nous, on arrive et qu'on voit Flots Bleus à tel ou tel endroit, eux ne sont plus propriétaires. C'est l'endroit où tu vas te poser qui sont propriétaires. Par exemple, si je vais dans... mince, je ne me souviens plus où je me suis arrêtée. Quand je suis revenue en novembre, je me suis arrêtée à Violet. Oui, et après, je me suis arrêtée à Uzerche. Voilà, Uzerche. Uzerche. C'est un Flots Bleus parking gratuit et ça marche au jeton, c'est-à-dire ça marche à la consommation, comme je dis. Donc j'ai pris des jetons à leur machine. Hein. Tu sais, tu peux prendre des jetons avec la carte bleue, il n'y a pas de souci, même si tu prends plus de jetons, c'est pas grave. Puisque après bah, tu trouveras d'autres flots bleus ailleurs. Donc tu dois payer à la consommation, tu dois payer si tu prends de l'eau, tu dois payer si tu vidanges, tu dois payer si tu prends de l'électricité. Par contre, tu peux rester garé ici X temps, c'est gratuit.
Voilà. Et ils ont un autre principe qui est le même que Camping Car Park, c'est-à-dire que tu as la barrière et là tu payes un temps par jour avec tous les services compris, c'est-à-dire les services eau, électricité, etc. Mais ça n'appartient plus à Flot Bleu, ça appartient ou à la commune, ou au magasin, ou à la station où ils se sont implantés. Donc dans ces cas-là, lorsque tu prépares ton voyage, lorsque tu te prépares à passer sur la route, à partir, donc je te conseille très très fortement, bien sûr je te parle toujours qu'en situation de confinement, bien évidemment, de préparer, tu vas sur le site Flot Bleu, il y a la liste de tous les sites répertoriés, donc de parking gratuit ou les aires de camping-car avec barrière partout en France. D'accord? Et là, tu verras, donc il y a un tableau avec le nom immédiatement de où, à qui appartient ce parc. Et là, tu auras les coordonnées téléphoniques. Tu décroches ton téléphone, tu leur dis voilà, j'aimerais rester là pendant tout le confinement. Est-ce que vous pourriez me faire une attestation comme quoi je vais rester domicilié sur ce parc Flot Bleu pendant un mois? Est-ce que vous pouvez? Après, je ne peux pas te dire s'ils vont accepter déjà d'une part, et je ne peux pas te dire non plus si, comme Camping Car Park, ils vont te faire payer à l'avance. Ça, je ne peux pas te le dire puisque c'est suivant le propriétaire, les propriétaires de ce Flot Bleu. D'ailleurs, dans les campings aussi où tu pourrais aller pour le confinement, c'est la même chose. S'ils te font une attestation de domiciliation pour le confinement, ils peuvent très bien te demander de régler à l'avance. Quelque part, je le comprends parce que c'est quand même une responsabilité de leur part d'attester que tu vas rester à tel endroit pendant X temps. Hein. Donc, bon. Bon. C'est vrai que ça fait bizarre, mais après tout, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. C'est pas. Au moins, on a des endroits, c'est clair, net. On a des endroits où aller. En cas de confinement, on sait, bah tiens, tu prends ta carte et tu te dis, bon, bah voilà, il y a un Flot Bleu, il y a un Camping Car Park, etc., etc. Bon. Tu peux y aller. Donc voilà, grosso modo, tous les endroits où tu peux aller, tu seras en sécurité, tu pourras ne pas avoir l'amende, tu pourras ne pas être craintif en te disant, bon, la police va venir me vider, etc. Donc voilà les solutions pour pallier à nos maisons à roulettes, la faiblesse de nos maisons à roulettes finalement, qui maintenant devient tout à fait plausible et surtout, 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 on garde notre liberté. On garde notre liberté. Oui. En tout cas, voilà, j'espère que j'ai fait le tour. J'espère vraiment que j'ai fait le tour de tout. Si tu as des questions, n'hésite pas. J'ai passé vraiment beaucoup de temps au téléphone à leur poser plein plein de questions pour les torturer, pas les torturer, mais avoir des réponses sûres certaines. Donc je pense que ça va te rassurer, toi, le van lifer, toi, la nomade, parce que bah voilà, on n'enlève pas nos roulettes à nos maisons. J'espère surtout que ça te permettra de rouler, te faire plaisir. Bon, cette fois-ci, je crois que j'ai fait vraiment le tour de tout, de tout. Je vais profiter du soleil encore parce que c'est bonheur. Je vais profiter du soleil, je vais aller me faire une petite balade. Et je te dis bye bye, tout plein de bisous à toi.